Mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue avec cette émission Coup d'œil dans la Bible. Notre méditation pour aujourd'hui est en pour titre la raison pour laquelle Jésus a quitté Lazare, passé 4 jours dans la tombe. Toujours rester branché jusqu'à la fin et partager, abonner, apprécier. Je vous reviens tout de suite. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Quand me s'asseyait merci pour votre participation et permettez-moi de vous rappeler, si vous voulez d'autres sujets bibliques que j'ai déjà traités, vous pouvez aller sur YouTube et écrire « Coup d'œil dans la Bible » avec Jude Cajou. Avec ça, vous allez voir beaucoup de sujets bibliques que j'ai déjà traité. Revenons à nos moutons. Le sujet n'est autre que la raison pour laquelle Jésus a quitté Lazare, passé 4 jours dans la tombe. Mes chers amis auditeurs, amis dans le Seigneur, si on moun ou pap manye bibou, si on moun ou pas comme les gens des bérets, ou pas poser question, ou pas faire des analyses avancées, des études exhaustives. Il y a beaucoup de pasteurs sur YouTube, comme sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui induisent en erreur. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de lire la Bible. De lire la Bible en profondeur parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne veulent pas dire ce que dit la Bible. On a entendu ensemble pasteur Grégory et son défenseur. Écoutons ensemble. Nous comptons Pasteur Grégory. Pasteur Grégory, c'est un monde qui est influent secteur évangélique haïtien. C'est un pasteur qui est vraiment populaire. Et il y a l'église, il y a un ministère qui est plus passé 2 millions de monde. Literally. Parce que l'offre contrôle le monde qui est Miami, le monde qui est online, le monde qui est Miami, le monde qui est New York, le monde qui est Haïti. This is just amazing. Qui presque gagne 2 millions whatever but il gagne pile monde dans le ministère. Vidéo ça c'est pour attaque contre Pasteur Grégory. S'ils ont attaque contre Pasteur Grégory, m'a penché. Et m'a blé ça. So yeah, so nous pas regarder vidéo et nous pas voir qui problème qui gagne là-dedans. Pour que ça monde envoyer ça le voyer. Puis ça va le fini. Yo dit comme gagne pile monde dans funérailles, assurément Jésus quelque part non pas well. Pendant ou qu'on a toujours fait mon visiter et c'est que la garder mon nan yon dernière fois yo dit sûrement grand pile moun donc Jésus qu'elle est là oui mais qu'elle est dans foule là derrière on connaît c'est pas moun qui remet show off donc sûrement pas derrière pendant il a fait moun yo passer devant c'est que là n'a pour elle parce que faut ta là quelque part pas qu'on t'a quitté funérailles a passé pour le pas là mon a passé 10 moun, 20 moun, centaines de moun, milliers de moun passé. Jésus pas là. Ah, yo dit ça son bagage drôle parce que me connais Jésus toujours là dans moment difficile yo. Mais il pat là dans veille hier soir, il pat là dans funérailles à matin. Bon, me pas connais mais et kounya nous bral dans cimetière là.
Donc même si Jésus t'est raté finir là, mais même devant cimetière là, l'a vini. Même au dernier fois, même s'il pas gantan ouais Lazare, mais la gantan ouais c'est qu'elle a qu'à entrer dans tombe. Yeah, so j'aime tout garder vidéo un message ça que la prêcher en titre mais Jésus en retard qui ça pour me faire. Ça c'est petit message la prêcher et moi la prêcher sur Jean 11 ou soit Jean 10, on pas songe Jean plus que Jean 11 côté que Jésus te ressuscité Lazare. Mon qui t'en ouais qui problème mon n'a gain avec message là. Moi m'exploser problème là. Problème non c'est que mon n'a pensé que pasteur là li a contredit sa Bible là. A dit non. Gain une différence entre OK, nous même haïtien nous même fait ça en pile. Nous même l'en a baillon, l'en a raconté une histoire, nous même que monde prête attention à ça n'a dit. Nous même ajouter un petit cal seul dans histoire que n'a raconté. Nous même l'en a raconté une histoire pour mon envie tendez un pasteur qui est charismatique en pile. Il remet que audience li intéressé à ça qu'a fait là. On pense que haïtien nous même l'en a raconté une histoire nous vraiment extra. Et c'est ça pasteur qui a fait là. Parce que le pour au contraire dit sa Bible dit mais seul ça les just a fait histoire la Pinterest pasteur mettons vibe Hollywood c'est de dire ça dans histoire Lazare là il se dit la gain milliers de monde qui était venu entièrement roman gain veille ça ou pas vraiment but ça ou pas vraiment c'est pas ça Bible dit nous but nous même dans culture pas nous les gon entièrement l'a expliquer nous il y a passé merge ça fait ça really happen notant Lazare là avec culture pas nous même qu'on y a c'est un beaucoup de problème non on regarde toujours Jésus pas prend panique parce que l'Éternel fonctionnait sous calendrier pâle, l'Éternel fonctionnait sous agenda pâle, l'Éternel fonctionnait sous temps pâle, l'Éternel fonctionnait sous programme pâle. Donc 4 jours plus tard Jésus a venu bien chelbé sans panique, l'a marché avec discipline et puis l'a porté. Et puis l'a porté. Marie avec Marthe. Jean yo dit dans bon créole là, yo te gantan paré, yo pokan avec toute fourmi pour Jésus. Parce que là yo wè Jésus pas paré. Dernière fois, dans veille, yo wè Jésus pas paret, dans cimetière pas paret, dans enterrement pas paret, dans cimetière pas paret, même dans ti visite moun kon al fè après la mort, Jésus pas paret, Marie avec Marthe dit m'a préparé yon pokan avec toute famille fourmi pour li, gen la pensée dernière fois. Ou songe dernière fois, Marie dit songe dernière fois, l'elle te vin la kala, m'te gon parfum de grand prix qui te coûté yon année de yon salaire de travail, m'te prend parfum et puis m'te la gueule dans pile et puis parfum t'es rempli ça là li que la pensée l'elle tourner ces même bagages là encore la gueule t'en connaît. OK, Zenzo. This is really funny but Zenzo regarde là les beaucoup chame dit rien là qui contredit sa Bible dit. Comment mon qui gagne problème avec parce que oui parce que yo dit que parce que oui c'est l'argent n'a pas fait. Nous tout nous mandé offrande dans l'église nous right, nous tout nous mandé offrande dans l'église nous. I don't know yet. Parce que je n'ai pas fait trop de recherche sur Pasteur Grégory, c'est la première fois. Like, je n'ai pas pu faire regarder Pasteur Grégory. Mais je vais me dire ça encore. J'aime ça dire tout à l'heure. Et Pasteur Grégory, ils sont charismatiques. Je vais prendre une vidéo, dans le setting ça où il y a là. Je vais prendre que lumière qui gagne, musique qui a joué en bas. C'est tout, ouais, tout ça où ils mettent ensemble pour captiver l'attention. Pour captiver l'attention, pour faire plus comprendre. Message dans que la PC bon là. Petite message dans c'est mais Jésus en retard qui ça pour faire. La essayer captiver attention dans histoire en après pour bon application dans fin. But the thing is le wap prêcher right? Spécialement le wap fait expository preaching. When you do expository preaching, faut qu'on rete véridique à sa Bible dit. Faut qu'on rete véridique à sa Bible dit. Lors fait topical preaching, sometimes you bring your stuff ou vous venez à faire pour dans sa Bible. But lors fait expository preaching, which is what he was doing right now, he was breaking down the text. But the thing is, parce qu'il a metté à faire pas le texte là, il pas en contradiction à sa Bible. Il pourquoi j'en bats un menti là. I mean, il va quand même parler menti non, but lui juste a fait ça là, bien intéressant. Mais ça met en bonne sel dans manger pas pas oublier l'on met sel dans manger c'est pour faire le goût mais tout l'on met trop sel dans manger les gars gien moun ki pa problème li yo juste
content j'en expliquer histoire là. Bref, gen moun tout j'en moun envoyer message en moyen. Yo gen problème avec ça. So moun so nous même qui konn prêcher ou whatever. Pas mettre trop sel dans manger. On man pas mettre trop sel dans manger. Alors, mille merci. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ce dont parle la Bible? Est-ce que c'est ce que Marthe avait dit? Marthe et Marie, dont parle dans Jean chapitre 11, par rapport à la mort de Lazare, est-ce que c'est consacré à Yoye dans la Bible à vous? Pour plus d'informations, nous allons lire ensemble avec une attention soutenue Jean chapitre 11, versets 1 à 25. Lisons ensemble. Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais allez pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé là, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc, mille merci pour cette bonne lecture que vous venez de faire ensemble avec moi. Alors, qui sont ouais? Est-ce que c'est possible? Il n'est pas possible. N'a pas gardé dans verset 3 à 4 là, nous est. Et Marthe, c'est-à-dire et Marie, les sœurs de Lazare, yo voyez dit Jésus que Lazare malade. Jésus dit maladie Lazare li pas privé jusqu'à la mort, n'est point à la mort.
tout au contraire quitter maladie ça pour gloire qu'a régner pour qu'a fait paraître gloire. Donc ça qui est intéressant c'est l'arrivée dans verset 21 à 25 là pour conversation Marthe parce que Marie était et à la maison pour conversation Marthe avec Jésus au sujet de la mort de Lazare. Il dit si vous êtes là frère n'a pas t'a mourir. Donc il dit que Lazare a ressuscité. Jésus dit Lazare a ressuscité. Marc dit oui Lazare a ressuscité au dernier jour. C'est-à-dire pendant que Jésus pral fait c'est-à-dire sa deuxième apparition qui pour qu'on fait Lazare Marc pour que j'aime comprendre. Et en fin de compte, Jésus dit je suis la résurrection et la vie. Donc, nous, c'est nettement différent par rapport à Pocan, à toute fourmi que pasteur Palia, par rapport à cimetière, par rapport à toute ton série de bagages, il mettait piment, il mettait poivre, il mettait girofle, il mettait sel, jusqu'en bagala, pour qu'à comprendre le message là. Donc, l'essentiel qui n'a mis ça dans le padil, l'équitil pour gloire. D'après vous-même, est-ce que vous pensez que Jésus Pataka guérit Lazare, même l'elle te gagne deux jours de manche par rapport à côté Lazare territoire, par rapport à Kaï Lazare? Où il te fait? Parce que Jésus t'a fait et lui qu'on fait à tel point que en lit ensemble Matthieu 8 verset 1 à 23 alors verset 1 à 13 de préférence pour voyons guérison que Jésus t'a fait à distance en lit ensemble Matthieu chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. » Et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table, avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, le serviteur du centenier a été complètement guéri. Jésus t'a fait ou Lazare? Ça, c'est une guérison à distance que Jésus fait là. Serviteur à battre là. Centenier adressé là avec foi
et Jésus guérit. Donc, lorsque Marie et Marthe voyaient dit Jésus que Lazare malade, ils étaient fait même genre tout, mais ils quittaient pour faire régner gloire. Il ne faut pas oublier à l'exode de ce sujet, c'est-à-dire au début, j'avais dit que la raison pour laquelle que Jésus a quitté Lazare passé 4 jours dans la tombe. Vous voulez qu'on ait raison? On va regarder la vidéo ça avant de parler. Seigneur, si toi, tu avais été près de nous, mon frère serait vivant. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Parce que moi, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde pour nous donner la vie éternelle. Où l'avez-vous mis? Viens et vois, Seigneur. Seigneur! Oh, Seigneur! J'ai prié, prié pour que tu viennes. Tu aurais empêché Lazare de mourir. Ôtez la pierre de l'entrée. Mais il est mort depuis 4 jours, maître. Son corps doit se décomposer déjà. Ôtez cette pierre. Venez m'aider. D'exaucer ma prière. Car maintenant, cette foule qui m'environne pourra croire que je suis la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi, jamais ne mourra. Je suis descendu dans les régions inférieures, et... mais tu m'as ramené à la vie. Seigneur, mon Dieu. Lazare! Lève-toi! Celui qui croit en moi, celui-là vivra, quand même il serait mort. Donc, la raison pour laquelle que Jésus a laissé, a quitté Lazare, passé 4 jours dans la tombe, c'est que
à cette époque-là, les Romains, pour yon te reconnaître yon moun nan mouri vre, fok moun nan te passe 3 jours nan tombe. Dans les études avancées, yon pa dou sa. Parce que c'est vous yon pou yon monte, yon pa dou sa nan Bible. Yon pa fè des recherches avancées pour yon connaître. C'est parce que les Romains, pour yon te reconnaître yon moun mouri, tout bon vrai pour te passer 3 jours. Jésus quitte Lazare fait 4 jours. Donc, Jésus, pendant son ministère de 3 ans et demi, écrase un paquet de barrières. Li met un bémol non série de bagailles. Vous comprenez? Donc, mes raisons, c'est parce que pour les Romains, si Lazare mourit, s'il te ressuscité sous un jour, sous 2 jours, le tap dit Lazare pas mourir. Puisque continue à cette époque-là, faut qu'on en fait 3 jours complètement. Après 3 jours, on n'a pas levé le mouri vrai. Pourtant, Jésus quitte Lazare fait 4 jours. C'est ça qui fait le doux. Cette maladie, c'est pour capable faire gloire, régner. Donc, il ne s'agit pas de pocan, il ne s'agit pas de cimetière, il ne s'agit pas de toutes ces cisées-là au sautant de là. Donc, comme je viens de vous dire, lorsque vous écoutez ces gens-là, il faut avoir des plumes à la main, il faut avoir une Bible, il faut faire des recherches exhaustives pour pouvoir leur donner des réponses. Donc, merci de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. Donc, je vous prie de prendre beaucoup de précautions avec cette maladie-là qui s'appelle coronavirus, parce que ça fait son petit bonhomme de chemin. Restez en forme du point de vue physique et aussi du point de vue spirituel. Bon sabbat à tous. À sabbat prochain. Ciao.